Coucou les Capucins! Hello les Capucins! J'espère que ça va bien chez vous. Nous, on va bien. Bon, on s'est un peu... On s'est un peu engueulé. On va engueuler Leclerc parce que... Alors, faut me comprendre. Des fois aussi, je peux être carré parce que j'en peux plus de la semaine, je suis stressé. Ça fait un an que j'ai commencé mon nouveau boulot en CDD. J'ai toujours pas... Voilà, vous pouvez comprendre. Parce que j'étais un peu chiant. Et du coup, il m'a sermonné. Grosse pété. Parce qu'il va avoir les offres, les attrapes. C'est la semaine de la beauté pour les beautés comme pas nous. Et puis du coup, je voulais prendre, je voulais regarder les. Et vous voulez juste regarder pour rien acheter. C'est pas moi qui voulais. Et puis après, arrivé au PQ. Alors je vous explique. Arrivé au PQ, je lui ai dit, alors soit disons que sa prof de SVT qui était là, mais ça j'y crois pas une seule seconde parce qu'il prend pour une vie quasiment tout le temps. Il m'a dit cache le papier toilette. Je lui ai dit mais pourquoi tu chies comme tout le monde, hein, j'ai envie de... Je lui ai dit ça et du coup il m'a dit, il est parti. Non, t'as dit, non mais tu chies comme tout le monde, hein. Oui, bien je lui ai fort. Dit ça. Et moi, en disant que derrière, il y avait sa prof des SVT, alors j'y crois pas une seule seconde, je pense que c'est une entourloupe. Non, c'est vrai. Je n'y crois pas parce qu'il me prend pour un con. En fait, le papier toilette, c'est vrai que quand je l'achète, moi j'aime bien le mettre dans un sac. Et je vais pour le mettre dans le sac. Oui, il dit qu'il y a le monde. Oh putain. Bah, moi je comprends pas qu'on assume pas. Bah écoute, c'est quoi? La prochaine fois, tu prendras ton PQ. Tu baladeras avec comme ça, là. Hello, les capucins, c'est Robin. Tu iras dans le magasin avec ton PQ. Comme ça. Voilà. Et on en reparlera plus. Voilà. Bon, alors après, voilà, on sait. J'ai les petites anecdotes. Voilà. Donc voilà le climat ici. Mais tout va bien, je vous rassure. Tout va bien. Tout va bien. On est rabibochés. Donc, nous sommes allés faire une course au Leclerc. Au niveau budget, ça a été très conséquent, plus que d'habitude. Le budget était à la hauteur de l'énervement. Ouais. On a mis la barre haute, hein. Ouais, c'est un peu ça l'idée. Vous allez découvrir le budget en fin de vidéo, vous allez être... C'est sûr qu'on fait ça quasiment chaque semaine. Donc, bah, Capucin, Capucine, on va commencer tout de suite. C'est parti. On ne rigole pas avec la chaîne. Ouais, j'ose plus rien dire, j'ose plus rien faire. Je me suis tellement fait engueuler. Oh non, non, quand même. Ah, faut que je fasse gaffe à la luminosité de l'écran. Ouais. On a pris le téléphone de Robin cette fois-ci, parce qu'en fait, le mien, il met les vidéos sont très longues et à mettre sur clé USB jusqu'à l'ordinateur de Robin, c'est long. Et je lui ai dit, on prend ton téléphone. Et, Voilà, donc la luminosité est un peu délicate. Donc, on a pris des surgelés pour ce soir et pour avoir un petit peu de stock. Donc là, c'est un assortiment de surgelés au fromage. Roquefort, camembert, raclette et chèvre. À cure au four. Donc moi j'ai pris, enfin, on a pris la même chose, la marque Carofers. Le secret est dans sa pâte. Pâte de thé, puisqu'on parle de chat. Voilà. Ouais, donc pas trop près pour que je fasse gaffe. 36 tartelettes. Apéritif. Parce qu'on va passer un bon apéritif tout à l'heure. Ail et persil, pizza fromage, mousse de saumon. Ouais, c'est bien chimique, mais ça donnait envie. Avez-vous voilà. Vu le paquet? Bon, je remonte le paquet parce qu'il faut croire que je l'ai mal montré. Le voici, le voilà. Il l'a pas montré avec assez d'insistance. Et toi, t'as même pas parlé du contenu du tien. Si j'ai dit chèvre, roquefort, camembert, raclette. Je les range au congélateur et on vous reprend. Bon, pendant qu'il fait son truc, moi je vais vous présenter les produits d'après. Je vais prendre des produits secs. Il n'y a pas de place. Alors, on continue. Alors, Robin a pris du chaussé au moine. J'hésite entre le coustéron et le chaussé au moine. Ah, je me dis, bon, je vais peut-être me faire un chaussé au moine. Franchement, le mec, il donne envie. Ça n'a pas changé depuis que j'ai on dirait René, le René de Salem Lyon. J'ai bientôt 29 ans et j'ai toujours connu ce paquet. Pauvre René, qui se trouve 6 pieds sous terre. Maintenant, on l'appelle René la taupe. Écoute, nous avons pris deux barquettes d'allumettes fumées. Allumer le feu. Pas vraiment d'utilité particulière, peut-être dans une recette qu'on vous dira après, mais à voir. J'ai craqué, j'ai fait mon Robin, j'ai pris du gorgonzola. Voilà, à la coupe, on peut dire à la coupe de cheveux, comme ceci. Bon, 4,23€ quand même le machin. On dirait du vieux marbre.
Oh, mais il est bon comme ça. Il a non, mais il est bon quand même. Il a le goût de crème, c'est bien. Du comté râpé pour manger avec des pâtes. Bon. Donc, on va se faire un espèce de. Bon, vous connaissez, vendredi c'est apéro, c'est apéritif, apéricube. Non, pas apéricube. On a pris une couronne de crevettes. Sauce cocktail. Sauce cocktail, puisque nous faisons un cocktail avec des amis. Ah bon? Non, je déconne. Et on a deux. Donc, les deux sauces cocktail pour inviter Charlotte, Floriane, Amandine, toutes nos copines. Une pour ce soir et une pour une salade Océane, la yes. Nuit de la semaine prochaine. For the next week. Dans le thème de la salade Océane, on a pris des dés de saumon. Bon, on a eu du mal, j'ai pas trouvé le saumon que je voulais bien rouge. Vous me pardonnerez, j'ai pris du saumon. Enfin, on a pris du saumon un peu plus rosé à notre grande dame, mais bon, on va faire avec. Que Dieu nous pardonne de ses péchés. C'est triste à dire. Alors, vu qu'on aime bien. C'est triste, Véronne, j'aime l'amour que tu me donnes. Vu qu'on aime bien Elena Paparizou, on a pris de la salakis pour mettre dans un espèce de cake aux courgettes que je vais faire la semaine prochaine. Vous allez voir, ce sera très bon. Voilà, il essaiera de vous filmer la recette s'il est sans moi. On fait des recettes minceurs, fraîcheur, douceur pour cet été, pour avoir un summer body. Exactement, les endives au jambon, c'était son idée. Et là, le cake, le gâteau courgette. Avec... Et t'en as, et t'as quand même un peu aimé les endives au jambon. J'ai un petit peu aimé. Je préfère les endives crues, mais cuites, j'aime pas celle de ma mère. Mais celle d'Anthony, c'était meilleur que celle de ma mère. Ça, c'est un compliment qu'il me fait. Voilà. Robin, de pas moi, l'autre Robin qui me suit. Hello Robin. On enlèvera un peu là de ce côté-là, c'est pas très ragoûtant. Mais voilà, c'est du comté 24 mois avec, on a pris, alors il n'y a pas le petit label rouge, mais là c'est le logo comté. Donc je crois qu'il a l'étiquette rouge aussi, mais bon, on verra s'il est bon, du 24 mois. Alors en nouveauté, dans les yaourts, donc je suis un attrape-nigo. Alors j'ai vu de la marque La Laitière, des espèces de mousse. Alors, il me semble qu'il y en avait déjà avec un autre packaging, mais là, du coup, j'ai craqué. J'ai vraiment craqué tout ce que je pouvais. J'ai pris mousse citron, mousse fraise. Moi, je pense qu'elles vont être excellentes, les fraises. Ouais, moi, je pense que... Oh là là. On a hésité à pas en prendre plus, ce qu'il a dit. Si jamais il n'aime pas, je l'ai fini. Mais je pense qu'elles vont être bonnes. Je pense qu'il ne restera plus longtemps. À boire. Ça me chagrinait un peu dans le sac, donc on les sort. Il a voulu retomber en enfance. Ah bah c'est que pour le chat. Bon bah comme quoi. Alors le chat a pris des clémentines pressées pour prendre avec ses cachets le matin. Vous les connaissez en long, en large et en travers. Et j'ai pris également du Danao. Je n'en avais pas revu depuis 2002. La dernière fois que j'en ai bu, Britney sortait son film Crossroads. Voilà pour les connaisseurs. Voilà. Moi je l'ai vu. Ouais, on l'a vu. Il y a pas longtemps. Il y a pas longtemps. Mais tu l'as pas vu à l'époque. Non, je l'ai pas vu à l'époque. Crossroads. Crossroads. Donc du Danao, orange banane fraise, fabriqué avec 63% d'ingrédients français. Et le reste, ça vient le jour de ce jour, voilà, juste ici. Ça vient d'Ukraine le reste. Des billes de mozzarella pour faire dans les salades. Pareil, on va pas s'éterniser sur ce genre de produit. Bah oui, franchement, voyons, allons vite. Bah vu la... Dépêchons-nous. Le temps, c'est de l'argent. Donc le chat va prendre tout de suite. Alors, Robin voulait de la crema al mascarpone. Pff, ouais, encore. Moi, j'en ai marre de sa chantilly qui est fade. Celle-là, à la mascarpone, elle est quand même bien meilleure. En plus, il dit qu'il aime pas trop ça, mais non, j'ai jamais dit que j'aimais pas. C'est juste que l'autre, elle est plus digeste, c'est tout. Dites-nous ce que vous préférez. Bah, non, mais... Ça a l'air bon et t'as encore écrit en italien alors qu'ensuite il écrit en dessous création facile à hit. Enfin, mais prenez-nous pour des cons, hein, franchement. On va écrire en italien pour leur faire croire que ça vient bien d'Italie. Tiens. Bon, en tout cas, elle sera bonne. C'est comme la moutarde de Dijon qui n'est pas faite à Dijon. Les yaourts cantine que vous connaissez aussi, je ne vous les présente quasiment plus. Aux quatre fruits. Donc la fameuse crème chantilly, ce que la vous voulez. Conscience. Un peu pourrie. Ouais. C'est un sorti de la bonne conscience, c'est tout. Pourquoi ils ont mis des pois là comme ça? Ça fait quand même con. Hein. Mais je crois que c'est tout ce qui est crèmerie, mettre des pois comme ça, des pois blancs sur du bleu. En tout cas, bleu, et c'est forcément, allégé. Forcément bleu, c'est allégé et rouge. Du c'est coup, c'est gras. Non mais c'est vrai, les codes couleurs sont quand même bien étudiés. Et les produits bio, vous remarquerez, c'est souvent la couleur verte. Puisque le vert, c'est toujours... Voilà.
Ah, les packaging. Les packaging. Bon, ça, pareil, je vais vite dessus parce que ça n'a pas grand intérêt. Eh ben non, tu vas nous lire la composition. Non, allez, dépêche-toi. C'est du parmesan, deux paquets pour manger avec des pâtes parce que moi, sans pâtes, je ne mange pas. Et de l'emmental pour les quiches et les pâtes aussi. Donc, c'est pour toi puisque tu es une quiche. Non, moi, je suis pas une quiche. Le jus de Robin. Another innocent. Mangue, fruit de la passion et pomme. T'as vu, ils ont écrit jamais de sucre ajouté. Ah bah voilà, comme ça je m'en fous. Qu'ils n'en ont jamais mis. Ah les malins, les packaging. Tiens. Et quand j'ai pris ça, Anthony il a dit ah non, j'aime pas trop. J'ai dit bah je le prends quand même, je m'en fous. T'en boiras pas. Et c'est présenté de clémentine et son danao. Bah tiens, présente-nous le boursin. J'ai repris du boursin. Et d'ailleurs, il nous reste encore du tartare de la semaine dernière, mais le boursin est parti. Comme de par hasard. Comme de par hasard. Alors, on a pris de la galbani. Du mascarpone. Du mascarpone. Alors, j'avais en tête de refaire des verrines fromage blanc, voire mascarpone avec fraises et spéculoos. Donc, je ne sais pas encore comment on va associer tout ça, mais on va associer. Donc, à voir. Un beurre président pour les gâteaux, on ne vous les présente plus non plus. Alors, j'ai pris du coup de la crème fraîche pour ma petite recette du gâteau aux courgettes. Entière. Entière, Robin y tenait. Je voulais pas qu'il... J'avais pas découpé le pot, donc j'ai pris entier. Ah, il fait tomber. J'ai pris des filets d'anchois. Ah, vous mettez ça dans une salade océane, c'est tellement bon. Ça vous rehausse un plat, les anchois. Non mais c'est vrai, moi si j'ai le choix de prendre des anchois, je prends des anchois. C'est bon, mais c'est fort, attention. D'ailleurs, à l'occasion, j'aimerais bien manger une petite saladière avec des oignons et puis des anchois. Ah ouais, c'est bon. Bon après, faut pas aller à un rendez-vous, hein, parce que là pour le coup, alors tu fais à main de bouche, mais... C'est pas tellement conseillé. On revient sur les classiques, parce que le sirop que le chat avait pris, c'était pas trop ça, donc... En fait, le sirop que j'ai pris la semaine dernière, franchement, je l'ai goûté, je me suis dit, mais... En fait, ça avait le goût de sirop, vous savez, pour la toux qu'on donne aux gosses, et je me suis dit, bah oh. Ah oui, c'est... Et du coup, on a pris la maison de Guillaume. Hein. Je suis sûr que c'est encore franc-comtois, ça, non, la maison de Guillaume. Non, je pense pas. Non, mais c'est un nom de famille du haut doux, ça, c'est bien de chez nous, la famille Guillaume. C'est la France. C'est la... Oh, c'est la France. On a repris deux pots de mayonnaise, alors on aime bien la mayonnaise, hein, vous le savez. En fait, je vous explique, c'est les courses de « Oh, vas-y, ça mange pas de pain !» Donc en fait, on est passé dans tous les rayons. En ces temps un peu difficiles où on ne trouve pas de tout le temps comme on veut, on s'est dit « Bon ben… » En fait, on regardait les gens « Ah, prends ça !» On s'est dit « Ouais, vas-y, bon, c'est qu'on prend. » Ce qu'on aime, on prend un petit peu plus pour pas venir à manquer, c'est surtout ça. Non, mais je vous explique, en fait, ce qui faisait limite peur à Leclerc, c'est qu'en fait… Alors, il y a toujours plus d'huile, il y a plus de moutarde, sauf que les mayonnaises, elles commencent à disparaître aussi. Alors moi, la moutarde, on s'en passe. Hein, pas dans ma quichoton, je m'en fous. L'huile, on en consomme, mais pas tant que ça non plus. J'ai du monoeil pour faire mes UV, donc ça va. Mais là, pour le coup, la mayonnaise... Si on n'a plus de mayo, nous, par contre, on... Et moi, je la fais, mais c'est vrai qu'en toute honnêteté, ben, en fait, j'aime bien la mayonnaise faite maison, mais j'aime bien la mayonnaise industrielle. Bon, pas à premier prix, machin pourri. Mais franchement, la bonne Benedicta, ben, honnêtement, j'aime bien. Vu que c'est quand même fait à base de moutarde et d'huile. Non, mais je veux dire, le rayon mayonnaise commençait un peu à. J'ai dit, ah, il en manque là. Non, vas-y, tu sais quoi, reprends deux pots là, on sait jamais. Donc, par acquis de conscience. Mais on peut pas de stock non plus, on a deux pots à chaque retour de course. Bon. De toute façon, on vit dans un 5 mètres carrés. Voilà, en c'est la seule pièce, on vit ici, voilà, on dort ici la nuit. C'est pas quand même. Voilà. Des spaghettis parce que j'aime encore bien ça et puis j'en mange souvent. Je vais présenter les deux. Vas-y. Des cafés. Franchement, j'aime bien les cafés de la marque Leclerc. Je trouve qu'ils sont pas. C'est pas malhonnête. Ouais, ils sont pas malhonnêtes. les réflexions gros, mais c'est pas malhonnête. J'ai pris de l'espresso numéro 5 comme Chanel. Et j'ai également pris, bon, je me suis pas planté, du Deca parce que si je bois trop de café, et ben. Avec qui se trompe, tu vois. Oui, je m'étais planté une fois, j'avais pris du bleu clair. J'ai fait la remarque, tu lui dis que tu t'es trompé, tu vois. Bah, ils peuvent le retrouver en vidéo. Ah hein. Oui, effectivement. C'est même moi qui ai dit, je me suis trompé. Moi, pour le boulot, parce que en ce moment, j'ai des phases, j'ai pris du Nescafé. J'ai essayé de prendre intensité 5 et pas 6 pour essayer de faire un peu moins fort. Bah oui, voilà. T'es tout le temps énervé, t'as des problèmes de tension. Je suis énervé parce que les gens m'énervent. Ah oui, c'est pas à cause de moi.
On a pris de la ricorée au lait. Ça, c'est ma ricorée. Ça, c'est pareil, hein. C'est de plus en plus cher. Dans 5 ans, ça va coûter 10 euros. Ouais, ouais, bah. Non, mais c'est quasiment 5 balles, hein. C'est vraiment, c'est de plus en plus cher. C'est vraiment mais cher. Mais ça met l'Ukraine, c'est normal, là. C'est un produit frais qui ne voulait pas sortir. Eh ben, c'est du surimi en râpé. Il n'était pas dans la glacière, mon non. Dieu. On s'est engueulé. Sacrilège. On a failli se rengueuler parce que je lui ai dit, j'ai la glacière que j'ai achetée, je reviens l'utiliser. Donc, je lui ai dit, tous les produits frais, tu me les donnes. Non, t'as pas dit comme ça. Non, je vous refais la scène. Je vous refais la scène. Donc, moi, alors déjà, Robin, lui, ce qui est bien quand on fait les courses, c'est que tu me donnes les produits, je les range. Alors, moi, je suis comme ça. Je lui dis, tiens. Alors, lui, il est comme ça. Moi, je range les produits sur le tapis, comme ça, au KLM. Alors, moi, je suis comme ça. Okay, sauf que je le vois, je le laisse faire. Je lui dis, tu me donnes. Bon, tu je continue. Les produits, et ensuite, arrivé au moment où la caissière. Pff, ouais, t'es bizarre aussi, elle, franchement. Bon, bref, c'est pas grave. Elle nous donne les produits. Alors, l'autre, elle donne tout. Alors, moi, j'essaie de trier, machin. Oui, mais il met du boursin dans son truc. Je lui dis, mais à partir de là, je lui ai dit, à chaque produit frais, tu me le donnes. Alors, il me dit, tu me donnes les produits frais, hein. Je fais, oui. Hein, tu me donnes les produits frais. Je dis, oui. Mais malgré ça, il me donne des produits frais dans son sac. Et après, il me dit, tu m'as redit une troisième fois. Tu me dis, dès que tu as des produits frais, t'envoies. Je dis, oui, j'ai compris. Ça sert à rien de me le dire 20 fois. T'inquiète, oui, j'ai fait une erreur avec le tartare. Oui, t'as mis le tartare. J'ai mis dans le sac de course qui n'était pas dédié aux produits frais. J'en suis désolé. Mais les produits frais, je te les donne. Ça sert à rien de me le dire 20 fois. Et du coup, il m'a enlevé les oreilles. On s'est remis de la tête une deuxième fois. Et en plus, la caissière, elle t'a regardé. Franchement, t'as jugé. Quand tu m'as répété plusieurs fois de bien mettre dans la glacière, elle t'a regardé, elle avait comme ça. Ah oh, ouais, bon. Cécile, t'as bien jugé, hein, je te le dis. Hein. Bon, continuons, on va dire ça. Petite parenthèse. Enfin, voilà où on en est dans nos vies. Deux boîtes de thon entier naturel parce qu'on en a plus. Nos tours de course sont quand même drôles, hein, franchement. Quand je regarde les miens, je regarde celles des autres youtubeurs. Alors, c'est pas que j'aime pas, c'est que. Mais je me dis. On rigole plus avec Anthony et Romain. Ah bah, c'est. Mais au quotidien, c'est pas facile, hein. Attention. Ouais, non, c'est pas facile, hein. C'est pas évident. C'est pas évident. Vas-y. Je continue pour aller un peu rapidement sur certaines choses. De la maïzena, parce que je crois qu'on a plus beaucoup. Et pour que ça vienne encore à manquer, ben. Ça mange pas de pain. C'est joli, c'est le retour des courses, mais ça mange pas de pain. Ça mange pas de pain que d'en avoir dans le placard. Et. Oh, ça mange pas de pain, on va reprendre la chapelure. Parce que on en a utilisé pour les camemberts frits, et donc ça ne coûte rien que d'en reprendre. Alors, j'ai terminé avec les produits alimentaires, sinon je vais me faire zigouiller. Ah bah voilà, vous voyez qu'il est resté un boursin dans le sac, pas glacière. Bah voilà. De toute façon, dans la glacière, en fait, il veut tout mettre dedans, sauf qu'à la fin, il a dû réenlever des choses parce qu'il y en avait trop. Oui, donc, j'ai quand même bien fait de mettre certaines choses dans mes sacs à moi, de produits tout confondus, puisque du coup, tout ne rentrait pas dans la glacière. Et bim. Alors, on a pris de la marque Les Croisés pour les croisades. Des. T'as pris ciboulette, basilic. En fait, il écrit des basilic et ciboulette. Ils auraient pu mettre des de basilic, non? C'est plus joli. Le cas, si vous passez par là, changez un peu le packaging. Hein. Et j'ai également pris pour. Je sais, c'est pas bon. Alors, j'ai pris des spécial cas, des petites barres que je prends pour les encas. Voilà. Voilà, je ne cherche pas à maigrir, je précise. Voilà. J'ai pas trouvé de papillon en pâte. Barilla. Voilà, de la marque Barilla. Oui, mais les papillons, tu les as dans ton ventre. Ah, j'en ai. Ça fait longtemps que j'en ai plus. Hein. Et ça fait. Ne vous inquiétez pas pour ça. Donc, des piperigate que j'ai pris. C'est quoi ça? C'est des. Les piperigate, mais il n'y a pas l'accent. Les piperigate, le Barilla. Donc, faut croire que les papillons sont définitivement partis, même dans le Leclerc. Bah, au bout d'un moment, c'est éphémère, les papillons, ça ne vit pas éternellement. Oh, bah, ça, je ils sont sortis de leur chrysalide et ils sont partis du Leclerc. Au secours. Et du sucre glace, parce qu'il nous en faut. Oh. De la marque Dali, parce que nous sommes des Dali. Non, bah, heureusement que nous, on n'a pas l'âge. Arrête, je le deviens. J'ai pris du Nutella parce que moi j'aime bien l'huile de palme. Voilà, juste ici. Vu qu'il n'y a plus d'huile de tournesol, on sera pas sur l'huile de palme. Pourquoi? Non, c'est horrible. Ça élimine les capucins. Oh mon dieu. On est pissé, plus d'abonnés, tout le monde va se désabonner. Alors, dans les attrape-nigo de promotion de la semaine beauté pour les moches chez Leclerc, on a pris deux. Un nettoyant visage, j'allais dire deux, la Neutrogena, mais je sais pas si on se dit. Un produit.
C'est vrai qu'il y avait des moches dans la semaine beauté. Non mais c'est vrai. C'est... En fait, il y avait tout, il y avait des jolies filles, genre tu sais, elles passaient devant, elles regardaient, mais j'ai pas besoin de ça, moi. T'avais toutes les moches, genre qui étaient là, tu fais, oh, je vais acheter ça. Il y avait un mec, elle est garnie, regardait les colorations. Je vais dire, ouais, mais. Faut acheter une perruque, quoi. Et moi, bah, pour le coup, j'ai acheté des produits beauté. Non mais pour le coup, je me moque des gens, mais vous allez voir, vous allez vous foutre de ma gueule après, je vous explique. Et du coup, alors, donc, je termine là-dessus. Donc, c'est un nettoyant visage au curcuma. Donc, on va avoir la gueule orange. Extrait de curcuma, nettoie en douceur et apaise les peaux irritées par les boutons et robins. Voilà. Juste ici. De toute façon, moi, je prends des savonnettes, alors je m'en fous. On reprend les autres sacs. On fait un échange. Ah ben, tiens, il va présenter. Mais c'est un produit sac, sans dernier, le produit sac. Oui, ben là, ça se fait dans les mains. Je commence... Du lait de Candia, s'il faut un litre, vous connaissez le lait. Et du matin, j'ai de Lactel en 50 centilitres, 6 fois. Le papier toilette, tu sais comme tout le monde, voilà, du coup. Moi, c'est sorti tout seul, mais moi, à la fin de la semaine, j'en peux plus. Quand on tu sais fait... comme tout le monde, à côté de ma fausse prof d'SVT, franchement. Là, l'autre, il a le culot de me dire, c'est ma prof d'SVT, alors que c'est complètement faux. C'est toujours quand ça l'arrange, il me raconte des bobards des fois. Non. Mais il me fera avaler des couleurs. Je veux dire la vérité. Enfin, la vérité, je mens tellement. C'est, mais il ment. Là. En fait, la fille, franchement, il y avait une femme. Déjà, je voulais pas y aller parce que je me dis, putain, elle ressemble à un prof d'SVT que j'avais en 3e, que j'aimais pas. C'était un peu une bitch. Je la vois, je dis, ah, putain, c'est pas elle. Puis du coup, puis après, puis en fait, et pour le coup, là, tu vas me donner raison parce que c'est vrai, je ne voulais pas approcher le rayon. Et Robin me dit, mais c'est pas clair, hein. Sur un ton très gentil, comme d'habitude. Donc, du coup, on y va. Je lui dis, ah bah attends, je le mets moi. Tu sais, discrètement dans un sac. Mais bah, tu sais comme tout le monde, hein. Je lui dis, oh putain, mais vas-y, oh. Voilà. Et la fille, elle s'est retournée, elle a fait comme ça. Et après, il m'a engueulé dans les rayons quand on nous entendait. J'ai dit, ouais, tu me saoules. Et moi, je lui dis, c'est bon, j'ai compris, t'arrêtes. Ouais, c'est bon, j'ai compris. J'arrête. Et puis, il continue. Et puis, il me disait, j'ai compris, plus je recommençais. Et ça m'énervait, et après moi je fais la gueule à un moment donné. Donc tout ça pour juste ça, un sac épaisseur. Donc franchement, un mimosa. Déjà, tu te rappelles qu'au premier confinement, comme tu m'avais bien cassé les rodesses là pour acheter le PQ, on avait fait je sais pas combien de grandes surfaces. Oui, parce qu'on avait pas de PQ. Et en fait. Si, j'en avais, mec, modération. T'en avais, allez, on avait 5 rouleaux. Et sachant qu'on n'en trouvait plus nulle part, ça en allait. Et Robin fait beaucoup caca. Oui, je fais assez régulièrement, donc comme tout le monde, hein, mais bon, donc du coup, au cas où. Non, mais on n'a jamais fait de stock. En fait. Quand on a trouvé du papier toilette au premier confinement, on a acheté juste 2 paquets comme ça. Oui, on n'a pas, oui, on n'a pas. On n'a jamais stock, surconsommé. Bon, je continue. On continue, c'est vraiment très interminable. Bon, c'est pas grave. Alors, dans mes menus, je vais prendre ça. Vas-y. Dans les menus de la semaine prochaine, j'avais vraiment envie de me faire des brusquettes. Hein. C'est, Parce que Floriane en a fait et ça nous a quand même bien tenté. Elle avait avocat, il y avait plein de choses sympas dessus. Non, elles étaient pas bonnes, elles n'avaient pas envie. Les miennes sont meilleures. Et puis moi, c'est assez original, il n'y a pas d'avocat hein, sur les vraies brusquettes. Hein. Bah oui, mais tu le digères pas. Excuse, hein. Bah oui, bah, tu... mais, bah déjà, première raison, je ne digère pas l'avocat. Et sur la vraie bruschetta, parce que les youtubeuses là, la con là, vous voyez là, qui mangent des graines de chia là toute la journée, eh ben elles vous font des bruschetta avec avocat, maïs, machin, thon, mayonnaise, poulet. C'est pas ça la vraie bruschetta. C'est quoi? C'est en plus bruschetta, ça signifie, alors bon, peut-être pas le mot, mais ça signifie repas du pauvre. Vous pouvez aller regarder sur Google, vous verrez. J'ai toujours raison. Et en fait, c'est de base, c'est de la tomate, vous savez, en morceaux, on met du poivre, de l'huile d'olive, voilà, c'est vraiment, c'est très simple. Et moi, ma grand-mère, bah, du coup, voilà, on en mangeait, mais c'était très simple, et c'est ce qui faisait que c'était si bon, en fait. Pourquoi rajouter de l'avocat, du saumon, des machins? Stop! Non, vous en mettez pas. Bah, ils font ce qu'ils veulent. Non! Moi, je mettrais du fromage. Quand je vois les youtubeuses qui disent, vous mettez ce que vous voulez. Non! Sacrilège, vous mettez pas ce que vous voulez. Vous mettez ce qu'il y a dans la recette, et vous verrez qu'elle est encore meilleure. Bon bah je te mets pas la recette, il nous la dira la semaine prochaine. Exactement. Ça animera un peu mes vlogs qui étaient un petit peu longs ces derniers temps, vlog assis. Le dernier assis. Vlog était pas top. Voilà, parce que j'étais pas dedans. On a pris des œufs de poule enfermés en cage. Non je déconne. On a pris des œufs de petites poupoules en plein air. Ah oui tiens,
Montre-leur ce que j'ai acheté. Regardez la trouvaille du chat. On aime bien les poules. Lui, encore plus que moi. Ah, j'adore les poules. Donc, on va mettre nos petits œufs dans le panier poule. En fait, c'est Maman Économe qui a mis une vidéo. En fait, elle était dans une brocante. Elle a trouvé une poule. Et moi, pour le coup, je travaille beaucoup le dimanche. Et j'ai plus le temps de faire les brocantes. Alors oui, les brocantes tombent les dimanches où je bosse. C'est chiant. Oui. Et du coup, en fait, elle a... Franchement, sur Vinted, il y a énormément de choses. Et j'ai tapé poule panier. J'ai trouvé ça à 2 euros. Je me suis dit, la fille, elle ne va jamais me l'envoyer pour 2 euros. Parce qu'il y en a qui veulent qu'on passe des lots. Elle me l'a gentiment envoyé. Et franchement, j'en suis fan. Ouais, et donc, on met. Et en fait, on ne met plus les œufs dans le frigo. Ça prend trop de place. On les met dans la poupoule. Et franchement, et puis elle est toute jolie. Je trouve ça trop mignon. C'est tellement kitsch, mais beau. On aime bien les poules. Ouais, on adore les poules. C'est pour ça qu'on vous aime. Vous êtes nos poules. Et nos capucins. Et nos capucins. Du sopalin mimosa, de d'œuf en mimosa. Si ça se passe la gueule, je ramasse pas. Tu ramasseras pas. Et enfin, ils ne sont pas cassés parce qu'il a été délicat. Parce que la caissière a été délicate. Vous avez été les deux, parce que la prochaine fois, c'est moi qui range tout, comme ça, au moins, il n'y aura pas de surprise. Mais non, c'était bien rangé quand même. Je le pousse à bout et il va m'engueuler. Deux baguettes, céréales et graines. Alors, je reconnais, j'ai dû retirer ça de la glacière. Bon, il avait raison. Donc, du fromage mandanone, parce que pour faire les verrines, si possible, fraises spéculoos. Ouais. Et les jockeys stracciatella du chat, son nouveau dessert favori. Ouais, j'ai arrêté les actillères. Alors, on est dans notre période bio, healthy, summer pain body. Pain complet. Fibre. Donc, moi, le matin, je prends des graines de chia. Oh, Joy Félix! On les digère mal, les graines de chia, de toute façon. Ouais, bah ça, c'est la faute d'encore de Florian. Hein. Au premier confinement, Florian a dit. Donc, la blonde, que vous avez en fait, Florian, je vous explique. Florian, elle était comme ça. Ouais, moi, je me suis fait manger des graines de chia avec du pain, des machins. Moi, je fais ça. Après, elle faisait des photos. Ce soir, c'est petit avocat. Hyper healthy. Il a été jaloux. Et moi j'étais jaloux, j'ai dit mais moi aussi je veux manger ça. Sauf que la manger. Alors j'ai acheté le mixeur, le truc il a pété, le truc il a explosé. Les graines, il a voulu faire un moment. Les graines, et en fait moi je digère tout très mal. Enfin tout très mal, non. En fait je digère, les graines je les digère très très mal. Et je vous jure, j'ai mangé les graines de chia. Alors une première fois, j'en ai mis un petit peu, hein. J'ai pris une petite cuillerée et j'en ai mis dans mon yaourt. Ne dis pas que j'en ai mis trop, c'est pas vrai. J'en ai mis beaucoup. Non. Et ensuite, je les avais mis dans l'eau pour qu'elles gonflent. Et même dans l'eau, elles sont plus digestes. Je vous jure, j'étais plié en deux. J'étais comme, appelle les urgences, je vais mourir. En plein confinement, ils avaient... Je me suis dit, en plein confinement, je vais pas mourir du Covid, je vais mourir d'une maladie de Florian. Alors du coup... Du coup, on parle de ça d'ailleurs. Enfin bref, Coco, on mange plus de graines de chia. Ah oui, voilà, le pain. Donc du pain de seigle aux céréales. Ils ont bien vu le packaging. Merci. On a obligé de rappeler, vous voyez. Oui. Après, on t'aime bien quand même, Florian. C'est des gros bisous. Elle a quand même des bonnes idées. Donc, quand même, elle est quand même inspirante. Ça, faut quand même lui laisser. Moi, j'aime bien m'inspirer de ces plats. Le pain haché parmentier. C'est pour ça que je mange pas les plats qu'elle fait. Oh, moi j'adore ces plats. Ben, après, si on les mange pas chez nous, on les apprécie mieux chez elle. Oui, oui. Ben, moi j'aime bien manger chez elle. chips, creamy onion. L'accent anglais, on adore. Creamy onion. Enfin, creamy onion. En cream somme. And onion. Et ça, goût bacon, des snacks. Yes, je suis faible, vous m'avez les yeux. J'ai repris un gel douche d'op aux pancakes parce que moi, sentir la crêpe dès le matin, non, c'est le soir, je prends ma douche. Là, c'est un bonheur qui est immesurable. C'est voilà. Un nouvel lubie. Bon, c'est une nouvelle lubie. Ma foi, on ne dit plus rien. Moi, pour la piscine, il me fallait un nettoyant visage. Donc là, j'ai pris marque Bioré. À vrai dire, j'ai pris celui qui est le plus pratique à fermer, tout simplement. Au-delà du packaging, j'ai pris quelque chose de facile à transporter. C'était le machin des attrapes Nigo, ça? Non, il était dans le rayon classique. Moi, ma mère m'a toujours appris que les rayons de promo, c'est pour les Nigo. Donc, voilà. Oui, en fait, elle dit que c'est des attrapes Nigo. On l'a déjà dit, je crois, dans un retour. On l'a déjà dit. Donc oui, bébé, tu as raison.
On a pris la crème dépilatoire, donc pour les épilations. Celui-ci, il y avait pour le coup une promo dessus. Oui, donc toi, t'es pas poilu. Moi, je suis pas poilu. C'est bon, oui, on peut le dire. Si, moi, je vous avoue, moi, j'ai des poils dans le dos et sur les épaules et j'aime pas ça. Donc, plutôt d'aller chez l'esthéticienne, voilà, il me le fait. Et puis comme ça, c'est... Alors, je suis faible, encore une fois, je me suis laissé inspirer par les youtubeuses à la con. Là. Non, en fait, je vous explique, j'ai pris. En plus, les produits L'Oréal, c'est les pires pour les cheveux. J'ai pris en fait ce pot Hyaluron Repulp Mask Hydra Régénérant. Je suis fait, franchement, je sais pas, ça m'a donné envie. Je ne sais pas pourquoi ça m'a donné envie. Du coup, je l'ai acheté. C'est le packaging. C'est vrai que le packaging est beau, hein. Franchement. Les trucs, vous savez, les trucs pour les cheveux crépus, c'est toujours jaune. Genre, vous êtes africain, vous venez d'Afrique, vous avez le soleil. Non mais c'est vrai, hein. Oui, hein. Tous les produits à base de karité pour métis, machin, c'est toujours jaune. C'est un truc de fou, ça. Allez, on continue, hein, parce qu'il y a encore des produits. Ah, tu comprends. Hein. Ouais, alors, des courgettes, ici, de courgettes pour le cake courgettes, et trois tomates. Bon, maintenant, on va se dépêcher, on va tout faire à la va-vite. Des fesses-nettes pour Robin, quand il fait caca et puis que du coup il veut s'essuyer. Voilà, après le papier toilette sec. Des petites soquettes parce que je n'en ai quasiment plus et puis il m'en faut, tout simplement. Naturellement. On a pris les Pulse, donc c'est des puzzles. Non, c'est des barres de chèvre de chocolat que je prends également pour mes encas. Voilà. Il n'y a pas de gâteau, hein, vous verrez. De la farine de blé gruau d'or pour nos petits gâteaux. Alors franchement j'ai craqué, c'est un plat, c'est pas de la merde hein, non plus, c'est un plat tout fait, mais que lentilles, c'est pas un vieux bœuf bourguignon sous vide, et en fait au lieu de manger du pain avec, non je mange pas trop de pain, enfin, des fois j'ai des coupures dans la journée, je reviens chez moi vite fait bien fait, alors je vais manger du yaourt, un café, voilà, du coup j'essaie de me faire chauffer au moins quelque chose de salé comme ça, à la va-vite, ouais. Voilà. Parce que s'il me reste des restes, justement, je les garde pour le soir en complément du repas du soir même. Je ne sais pas si vous avez compris. Je mange mon repas du jour avec parfois des restes de la veille, donc le soir. Mais le midi, je mange pas forcément ce que j'ai fait la veille. Donc ça, ce sera très bien. De la ricorée toute simple pour recharger. Voilà. Pour le matin. Ah, s'il y a des gâteaux. Ouais, c'est pas des gâteaux. Ouais, il y a pas grand chose à comparer à avant. J'ai pris des pick-up parce que j'adore ces voitures-là. Non, parce qu'en fait, Audrey et Mika, ils en ont pris, puis ça m'a donné envie. Ah, c'est... On s'inspire quand même beaucoup d'Audrey et Mika, faut le reconnaître. On aimait bien cette chanson, remettez-la. Ouais, remettez-nous le générique. Allez, et que ça saute. De la sauce César, parce que mon copain César vient à la maison la semaine prochaine. J'ai pris, je suis un attrape-nigo. Non, là, ils étaient pas chers. J'ai pris du shampoing solide pour les hommes ou les femmes qui mettent de la cire dans leurs cheveux comme moi, où il y a plein de conneries dedans. En fait, quand vous voulez enlever tout ce que vous avez dans les cheveux, le shampoing sec, il n'y a rien de mieux. Parce que du coup, un shampoing classique a du mal à enlever les résidus, alors qu'un shampoing sec est beaucoup plus concentré. Ça va vraiment enlever tout ce que vous avez dans votre masse capillaire. Ah, ça c'est... La brosse à dents à Romain pour faire les toilettes. Écologique. Non, écologique. Toujours des poils souples, important. Et en fait, j'ai pris au bois de bambou pour éviter un peu le plastique. Si je peux réduire... Il achète des fesses nettes. Alors, vous savez, c'est des petites lingettes là, qu'on vous met voir là, qu'on met... Donc, il en achète toutes les semaines, tout le temps, qu'on met dans les toilettes, qui bouche les canalisations... Et les stations d'épuration, parce que ça bouche, mais toutes les conneries comme ça. Et ensuite, il revient. Alors, je suis quelqu'un d'écologique. Je dis pas que je suis écologique, mais j'essaye par les petits gestes, si je peux. C'est mieux. Si je peux. C'est-à-dire, moi, je vois plus d'eau en bouteille. Je vois que de l'eau du robinet. J'essaye de réduire le plastique plus qu'autre chose, en fait, sur tout ça. Oui, c'est bien de réduire son empreinte carbone. Voilà, donc si je peux prendre des tubes en verre ou des tubes en plastique. On a quasiment plus de plastique. Hein. Voilà, on essaye de... On peut pas le bannir, mais si on peut le bannir sur des petites choses bêtes comme ça, c'est mieux que rien. C'est pas, je suis pas vegan, bio. Et puis même, tu sais, après, regarde-moi, quand on a des déplacements à faire, on prend pas la voiture, hein, des petits... C'est ça, on essaye. On n'est pas le midi, je rentre pas à la maison, je reste au boulot pour pas utiliser la voiture. Voilà, on essaye quand même... Voilà,
Après, faudrait prendre des fruits avec des sacs réutilisables et tout, c'est serait mieux. C'est des sacs en papier, c'est moins grave, mais ouais, il faudrait qu'on... Voilà. Interminable ce tour de course, décidément. Des Lotus, des spéculoos pour faire nos petits desserts. Du gel, de l'huile de douche. De l'huile de douche. De l'huile de douche. Parce qu'on retrouve l'huile. Alors, je suis encore à un attrape-niveau. J'ai pris un autre soin pour les cheveux. Non, mais il était pas cher. Il est, d'habitude, il est à 6 euros. Là, il était à je sais pas combien. À 5 au lieu de 6. Super, à 5,99 au lieu de 6,05€. Et la marque Naturebox à l'huile d'avocat. C'est vert, c'est forcément de l'avocat. C'était de la mando, c'est leur ami blanc. Tu es allergique à l'avocat. Pas dans les cheveux. Oui. Je le mange pas. Quoique. Bon, il n'y a même pas d'avocat là-dedans, c'est juste un arôme. Ça sent bon. Ça a l'air d'être ultra chimique, même s'ils disent que c'est bio. Enfin voilà, vous voyez les ravages du commerce. Des fraises simplement pour faire nos petites verrines. Spéculoos. Robin a repris les pépites de chocolat. Bon, c'est vrai qu'il a fait un gâteau pépites de chocolat banane. Il était bon. Et on a mangé plusieurs fois, donc il faut qu'il avoue que c'était bon. Bon, moi j'aurais mis moins de sucre, mais il était bon quand même. Il était meilleur que celui d'Amandine. Voilà, c'est pour manger un gâteau pas sucré. Moi je veux pas de gâteau. Donc ça, c'est pour avoir en réserve au cas où. C'est toujours utile. Alors, dans notre dernier retour de cours, je vous parlais d'un chocolat que j'ai acheté parce que le Lindt était trop cher. Il était dégueulasse, il était vraiment infâme. Mais vraiment, en fait, je vous jure, vous mettiez le chocolat dans votre bouche. Bon, en même temps, on va pas le mettre ailleurs. Hein, mais limite, vous sentiez, je sais pas, il était trop... La margarine. Eh ben, c'est ce que j'allais dire. Il était gras en bouche. Alors, il y a certains qui vont me dire, oh oui, mais c'est du chocolat roulant, c'est normal. Oui, je sais. Mais il y a du chocolat au lait qui est quand même plus raffiné. Là, pour le coup, vous mettiez, enfin, t'avais l'huile qui ressort de la bouche, quoi, en fait. Il était pas bon. Donc, j'ai pris du coup du... On a beau dire, hein, le Lindt, c'est le Lindt, quoi. On en revient toujours. Ça se trouve, il y a toujours autant de conneries dedans que dans... Montre-leur le paquet. Ferrero. Voilà, vous avez bien. Regardez, il est beau le packaging, c'est bleu, c'est beau. On dirait le bleu du cul qu'on met dans les WC. Le bleu du lait. C'est le bleu du lait. On a de l'ail. Je sais pas pourquoi. On a des vampires chez nous. Certainement. Anthony a marqué ail. Alors je pense qu'il a dit. C'est pour mon gâteau. Aux courgettes. Hein. Et attends, pour en mettre sur des brochettes, les Italiens adorent l'ail. Exactement, ça va pour plusieurs recettes. Tu frotteras l'ail. Maman économe, elle a dit, il faut prendre des ingrédients qui vont pour plusieurs repas. Bah, maman économe, qui ne regarde pas la chaîne de toute façon, bah merci. Peut-être qu'il a plus ça. Des cotons-tiges. J'ai pris alors, toujours des petites barres de céréales, des spécial cas, je sais c'est pas bon. C'est pas voilà. Pour le régime, c'est pour le goût. Ouais, voilà. Et alléluia, dernier produit, enfin. Alors je vous explique, j'ai fait des mèches dans mes cheveux et en fait, alors, ça se voit pas à la caméra, mais en fait ça repousse, je trouve ça un petit peu dégueulasse. Et j'ai pris une coloration, voilà. Je me colore pas les cheveux souvent. Après, sincèrement, j'ai pas de cheveux blancs. Bon, après, j'ai 32 ans, donc ça va. Je suis pas vieux, mais ouais, c'est juste pour enlever les reflets un peu dorés que j'ai. Voilà, qu'ils soient bien uniformes. Donc, je suis vraiment pas pro. Moi, je prends des produits de femmes, hein, je trouve qu'ils sont. Ça fait exactement le même effet et c'est beaucoup moins cher. C'est tout du marketing. Les produits pour hommes, c'est deux fois plus cher et voilà. On est pour la mixité. Exactement. Ouais, c'est vraiment soin capillaire. Hein, Bon, on a fini, enfin. Donc, on en a eu à la louche, parce qu'on n'a pas le ticket de caisse qui est dématérialisé. On en a eu pour 221 euros. Ouais, c'est énorme. On n'a même pas de viande, c'est ça le pire. C'est ça qui m'inquiète, c'est qu'en fait, on n'a absolument pas de viande. Après, on a quand même du comté, du gorgonzola, on a deux fois des crevettes, du saumon. Ah, il y a quand même des produits dits nobles. Ouais, voilà. Je suis pas étonné. Plus l'inflation des prix. C'est vrai que tout a pris un coup. Même toi, tu vas t'en prendre un coup dans la gueule. Essayez. Alors, je comprends pas trop la liste des menus parce qu'on a lundi, mardi, jeudi. Donc je laisse lire parce que ça m'énerve. Allez, c'est parti. Lundi. Il est gentil, hein, il n'est pas énervé, hein, je vous rassure. Mais ça m'a écrit, faut le dire. Si vous, je vous jure, un jour, je vous mets l'écriture de Robin, c'est illisible. On dirait un CP qui écrit. C'est pas mal écrit dans le sens calligraphiquement, c'est mal écrit dans le sens c'est ma nique une tête.
Montre-leur, s'ils comprennent. Non, je ne montre pas. Bon, bah alors, alors, lundi. Cette semaine, donc dans le dernier retour de cours, j'avais prévu de faire une tarte chèvre épinard. Je ne l'ai pas faite puisque on a réussi, alors on a fait un repas. Il a mangé chez sa mère, je sais plus. Oui, il y a un soir j'ai mangé chez ma mère et du coup ça a sauté un menu. Et moi voilà. J'ai mangé des pâtes à la place. Donc là du coup, un des menus de la semaine dernière, enfin de cette semaine, mais du dernier retour de cours se retrouve pour la semaine prochaine. Donc lundi, tarte épinard chèvre. Mardi, gâteau de courgettes. Vous allez voir, c'est une très bonne recette que j'ai trouvée sur un site internet. Ça a l'air sympa. Jeudi, une salade océane. Donc pas la salade d'océan, mais une salade de poisson. J'ai tout fait. Ah là, on vous l'avait dit. Bon, tu couperas. Alors, donc, oui, mardi, gâteau de courgettes. Mercredi, salade océan. Et jeudi, la bruschetta avec une petite salade. Je l'ai écrit quand la fille des UV, elle m'a énervé aussi. C'est pas ma faute. Je me suis pris la tête avec la fille chez qui je fais les UV. Donc, du coup, il ne retournait plus. Moi, je retourne, je m'en fous. Il m'a dit qu'il retournait plus. Elle m'a très mal. En fait, j'ai pris rendez-vous. Elle m'a dit : mais non, vous n'avez pas pris rendez-vous. Je dis : mais si, sur Planity. Non, je ne faisais pas. Je dis : si. J'avais un rendez-vous à 14h30. Je dis : oui, c'était l'ancien, mais j'ai avancé. J'ai eu votre collègue au téléphone. Non, elle ne vous a pas eu. Donc, du coup, j'étais très énervé. Elle m'a même pas proposé un café, bon, pas du tout. On peut le dire, j'espère que vous ne travaillez pas chez Puképil, mais alors les filles de Puképil, c'est pas les personnes les plus agréables qu'on oh, vous rentrez dans l'institut, la fille elle vous regarde, mais vraiment comme ça. C'est pourquoi. C'est vrai que l'accueil n'est pas. C'est moi, ils m'ont accueilli pareil. Bonjour. C'est pourquoi. Ouais, vous avez pris un rendez-vous. Ouais, à quelle heure? Ben là, faudra attendre. Oui, j'ai 2 minutes d'avance, hein. T'inquiète, hein, voilà. Et en fait, du coup, elle m'a un peu pris la tête. Je lui ai dit, bon, bah écoutez, moi, je fais plus du V chez vous, hein, ma foi, vu l'accueil. Puis moi, je suis très franc, moi, je suis cash. Hein. Quand les choses ne me plaisent pas, toujours avec respect, hein, faut pas insulter les gens, hein, voilà. Non. Mais je lui ai dit, écoutez, moi, je ne reviendrai plus, voilà. Je lui ai dit, si à chaque fois que je viens, il y a un problème et que mon rendez-vous est annulé, autant ne plus venir, quoi. Et après, la fille m'a appelé. Elle me dit, non, mais vous avez bien eu un autre institut, c'est pas nous que vous avez eu, hein. Au lieu de m'appeler pour s'excuser, elle m'appelle pour me dire que c'est bien moi qui ai tort. Et j'étais en train de faire les menus de la semaine. Oh, j'ai quoi? Et du coup, j'écrivais. Du coup, il a marqué 2 fois lundi. Non, mais regardez-moi ça. S'ils arrivent à voir. C'est bon. Vous arrivez à lire peut-être. Mais j'ai écrit 2 fois lundi. Lundi, mardi, jeudi. Bon, il y a bien 4 menus. Parce que souvent, le vendredi, c'est improvisoire. Il y a 4 menus. Et alors, d'un coup, je dis, mais je comprends rien. Qu'est-ce qu'il me dit? Oh, mais déjà, mais je comprends pas ta vie, mais je comprends pas ça. Machin. Mais pourquoi tu vas là? Et en fait, il avait même pas relu. Et du coup, j'ai été énervé à cause de l'esthéticienne. Il est énervé, moi, je suis épuisé, je suis à fleur de peau. Et puis, du coup, ça fait des étincelles dans les commerces. D'ailleurs, si elle passe par là, je te fais gros bisous. Ah oui, ça se trouve. Non, elle regarde pas notre chaîne, sinon ils auraient. Oh, quoi que, qui sait. Elle t'aurait mieux parlé, je pense, quand elle t'aurait connu. Si vous nous croisiez, est-ce que vous seriez gentil ou pas? Bon, on est gentil, nous, de base. Oui, on est pas méchant. On est, après, sans me vanter, on est. Je trouve qu'on est. Franchement, on est gentil, hein. Puis t'as vu quand les gens ont souvent des problèmes dans les magasins. Souvent, enfin, je vous dis, la petite mamie là qui était restée coincée dans les portes battantes. Ah oui, la pauvre. Ouais, oh, m'a fait mal au cœur. Moi, j'y étais vers elle, je dis, ça va, madame. Enfin. Je trouve qu'on est humain quand même. Oui, quand t'as des petites mamies. Ouais, surtout les papis et les mamies. Oh là là, des fois, les gens les ménagent pas, les pauvres. Ouais, bon, des fois, ils sont bilins, mais souvent, les gens les ménagent pas. Oui. Voilà, c'est pour dire qu'on a le bon fond. Nous sommes de bonnes âmes. Voilà. Par contre, là, on a, au niveau timing, là, ça va 47 pas, minutes. Arrête, hein. On dirait les blocs de Caramella, 3h30. Coucou Caramella. Coucou Caramella. J'ai vu sa vidéo, elle était en culotte dans à l'hôtel. Ah ouais. Non mais j'aurais pas osé. Ah ouais, non mais elle était en culotte, dit. Bon après elle avait Kidou, mais qui bon après peut-être qu'elle cherche quelqu'un d'autre. Caramella, tu sais c'est, ce que tu veux. Voilà, en culotte. Après cela dit, sa culotte était jolie. Elle était noire, c'était. Elle était noire, c'était sobre, c'est discret. Voilà, on va s'arrêter là, je pense qu'on a trop fait. C'était sympa ce retour de course, un peu plus animé que les autres fois. Plus d'inspiration, plus de... Prenez un café, un thé, un chocolat, ce que vous voulez en regardant notre retour de course. Voilà. Et puis, vous nous direz ce que vous pensez de nous en commentaire. Exactement. Eh ben,
Ouais, à part vous embrasser, je n'ai plus rien à dire. C'est plus quoi dire. Je sais plus quoi dire. Au fait, gros bisous. Gros bisous. Encore merci pour tous vos gentils commentaires, ça nous touche énormément. Vous êtes adorables. Vous êtes adorables, il n'y a pas d'autre mot. Voilà. Donc voilà, on vous dit on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous. Bisous les capucins. Have you ever been in love just for a time? Have you ever been in the dark just for a night? Have you ever seen in the sky a shining star? When the sun goes down, I can feel your dark earth.